déjà que c'est pas des efforts. C'est pas la 2, ouais, c'est la A2. C'est pas moi, j'ai rien dit. La 2 A2. La première lune de la première bon appétit. Lune de la de la gazeuse. Salut. La gazeuse. C'est la planète 2A. Simple, il y a une jante gazeuse. Non, je la vois pas. Ah, t'es pas dans mon système alors. HR1183. Non, je vais dire, après on allait à HIP14909. Oh. C'est à 110 AL. 14909. Yes. Il était pas censé avoir des maraudeurs. Pas des maraudeurs de charognards. Ouais, non, sur la base, y'en a, oui. Des scavengers Ouais, bah. Ouais, bah non. T'es pas posé sur la planète là. Quoi? T'es pas posé là. Mais mec, je suis posé à 10 mètres de l'entrée. Ah, je suis en réservoir en train de faire des tours. D'accord. Ouais, non, moi j'en approche juste. Mais sans déconner, y a. Ils sont immenses ces anneaux. Y'a plus de charognards? Ok, bah, petite nouveauté. Ouais. Ils ont tout bouffé là. T'as vu sur aux extérieurs du rond là, tu sais, les trucs étaient pleins là. Ouais. Est-ce que t'en vois au-dessus ou pas? De quoi? Ça va te faire un anneau. Sur le. Plus loin de l'anneau, t'as des sortes de structures. Normalement, ils étaient dessus la dernière fois qu'on y a été. Ils étaient en train de je sais pas, foutre de l'acide ou j'en sais rien dessus. Ils charognaient. Voilà. Ah, c'est un gros anal, hein. Un très gros anal quand même. Ah putain, planète. Ça y est, j'ai fait tout le tour de la base et j'ai fini par Manu, en trouver 3. J'ai fini par en trouver 3 sur le c'est côté bon. Là comme ça, mais il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 3. Distance trop longue pour déployer une sonde. Pourquoi trop longue ouais. Bah fais attention à ce que tu fais sur la planète, Robin. Ouais, mais je voulais quand même balancer une petite sonde. Ah. Xarta, mais oui. Distance trop longue. Arrête de siffler, s'il te plaît. Hop là. On va se garder les cellules d'énergie targoïde. Ça fait toujours du matériel en plus. Hop là. Parce que je siffle. Si on peut plus buter le charognard, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Salut Olive. Je sifflais pas, je me mets. Ah bah continue. Comme l'âne dans Shrek. Oui, je me mets. J'aime bien l'âne dans Shrek. Oui, moi aussi. Mais est-ce que tu as déjà vu un âne à elle? Vous avez activé vos balises, les gars? Héroïne? Oui. J'ai aucun rôle, donc on s'en fout. Moi, j'active. Ok. Oui, c'est activé. Ok, c'est bon. Bien joué. C'est sondé, c'est activé. La vraie question, c'est est-ce qu'on va atterrir tous au même endroit? Enfin, au même endroit, dans la même instance. On va voir, de toute façon, après on peut recroire, on fera des tests d'instance. La première ouais, je sais pas s'il y a d'autres groupes d'ouverts, hein. Je sais pas si. Parce que je sais qu'il y en a au moins un, mais le deuxième. Xarta, je te vois. Il y a deux wings, Xarta est groupé avec Franck, logiquement. Non, c'est faux. Bah, ouais, faut vous grouper, les gars. Moi, je suis seul. Si je vous ai dit de vous c'était grouper. Magnifique. C'était magnifique. Permettez-moi, en général, là, ça mérite un petit mauvais point dans le carnet rouge. Non, mais je. Je parle et puis je parle quoi, c'est tout. Non, parce que bon, regarde, moi, perso, j'aurais sorti ça quand même au chef, hein. Quoi, c'était carton rouge direct, hein. Vous m'offrez. Ils t'ont réhabilité, c'est bon? Oui. Je me rappelle pas de mauvais souvenirs, merde. Ça, c'est bon. Comme cramer dans un vaisseau, c'est pas un bon souvenir. Ah, des charognards autour de la structure, j'ai l'impression. Putain, Franck, t'as réussi à faire un personnage sur Elite qui a pas une sale gueule? Waouh. T'es en forme, Xarta, ce soir? Non, on dirait les replay. Oh. Avec des bouclettes. Putain, c'est que ça envoie du lourd. Tu sais, il y a des charognards le long de la structure là, ils sont toujours en train de taffer. On appelle ça des banquiers. Quand on vient tout seul, on la voit la structure ou. Oui. Parce que t'as les coordonnées, oui. T'as les coordonnées, oui. Après, tu vas la scanner et tu pourras. Quand tu l'auras scanné à l'intérieur. Après, une fois que tu l'auras balisé, c'est bon. Ah, faut scanner la planète. Ouais, scanner la planète. Tu peux. Ah, oui, avec tes sondes, ouais, tu vas la voir la structure. Probe là et non. Tu l'as vu. Ah, non. C'était un non structure.
Ah non, elle apparaît pas. Ah, un Kno structure, ouais, mais non. Elle apparaît à 1000 SL normalement, non? Ah, je la vois pas si du tout. Si tu l'as déjà scanné une fois, oui. Ah, ah si voilà. Tu pas, si tu l'as pas trouvé, non. Il faut la scanner une fois que t'arrives. Alors, ça c'est Manu. Ah, voilà, d'accord. Il faut que j'y aille, d'accord. J'arrive. Putain, vous êtes sur la combien déjà? Planète 2A. 2A. Oh Manu, tu viens? Suis les signaux d'escadrille, Astrix. Planète 2A. 2A. Planète 2A. Ah oh, oh c'est bon. C'est la 2A. C'est la 2A, je crois. Quelqu'un ouais, essaye la 2B au final? Ouais, il y en a. Ils vont mal finir. Putain, là, il va sortir le classeur, le chef. On a déjà mal fini, tu sais. Ça fait un moment. Le petit carnet rouge, quoi. C'était à la naissance, hein, tout ça, c'est terminé maintenant. Ya yeah oh, c'est un décor de Minecraft, quoi. C'est quoi ce cri là? C'est le chat. Hein. T'as la vu la photo du personnage de Xarta? Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il a au personnage? Regarde, c'était comme ça. C'est quoi ces os? Ah, c'est un énorme dragon ou quoi? C'est des ossements des trucs, là. On sait pas ce que c'est en fait. Bah, je sais pas, ouais, c'est bizarre, ouais. Ça ressemble plus à un vieil évier qu'on vide, mais. Ouais, il y a un tableau d'Ali qui ressemble même pas à ça. C'est un énorme serpent qui se mord la queue tout en étant. T'en découper. Ce qui est quand même comme s'il y avait un rond d'œil quand même. Hein. T'as pris ta saloperie ou tu l'as laissé en soute en attendant? Je vais la prendre. Bon, moi je la laisse en soute le temps qu'ils arrivent, parce que ça va te nous cramer. Attends, ouais. Ouais, mais c'est des... T'as pas laissé une anti-corrosion? Pas dans les cervelles? Si, mais dans les cervelles. Ah oui. C'est de l'épine dorsale là, c'est de la colonne vertébrale hein. C'est pas trop enroulé, ce que c'était. Hein. Tu veux... Ah ça y ressemble vachement en tout cas. Tu veux qu'on l'ouvre maintenant la... Dragon, là. La base. Bon on va attendre que tout le monde arrive. Ouais, voilà. Ouais je regarde un peu la structure, hein, j'arrive. Hein. Attends, dans le Zerta. Ok. C'était où la... le poste encore hein. C'est gigantesque hein, quand même. Ah c'était grand. Ah ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Mais bon, si tu regardes, j'ai vraiment un énorme vaisseau Targoïde. Hein. Ouais. La base Targoïde est la HR1183. Non, HIP14909. Planète 2A. Attends, oui, mais... 2A. Non, pas 2A, HIP14909. 14909. Je vais voir. Planète caillou quoi. Planète 1T. Ouais ouais. Ah bah je vous. Oh merde, je me suis mangé un charognard, ça y est, la partie de foot a commencé. Oups. Oh merde. On se fait un foot. Regarde les caches c'est là-bas, je crois. Putain, ils sont à ta poursuite, ils sont à ta poursuite Frop. Ils sont à ta poursuite. Ils sont à ta poursuite. Ils sont à ta poursuite, Franck! Ils te suivent! Ils risquent rien là? Non. Faut pas les renvoyer? T'es en live? Ouais. Ce bip! Ils sont à ta poursuite, Franck! Et grave, ils t'ont pris en chasse! Je fais des manœuvres des vidéos! Ah ouais. Non, sérieux, les gars, ça a changé en tout. C'est, à chaque fois, ça me paraît plus gros quoi. Surtout que c'est encore plus dessiné. Là, c'est vachement détaillé. J'ai un pointu avant, c'est ça, c'était pas sortir. Ah, ils sont en train de relever leur vaisseau même. Bah, vous les attaquez les charbons. Oh là là, les gars. Gaffe quand vous êtes. C'est qui avec le cri de fantôme Xarta. Ah, bah c'est bon, on commence à tous se poser. Ah, arrête de rayer la peine. Mais c'est ça, putain. Il a rayé la mienne, il raye la tienne maintenant. Ouais, non, Il y a une petite place pour moi. J'ai 80 sauvage. Putain, mais il y a touche pas les. Ah, mais West, il est venu en cutter direct. Il a pris son temps. Désintégré. T'es de sauvage, quoi. Il y a une petite place là. Il y a une place entre vous deux là. Non, il y a pas de place. Regarde. tu vois la race, ça passe. Je vais me mettre sur le flanc, les gars. Tu vas garder ton cum.
Par ailleurs, non. Vas-y, ça passe là. Ça passe. Il faut que je fasse un screen. Ça va. Ça... en face de moi et servir la frappe. Oui. Vas-y, non, dis-moi si je peux descendre encore. Ouais, on est un peu tous là, mais. Ah non, 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 tu vas. Non, on attend Farnash. Je suis pas le DBX. Oh, décolle. Non, mais arrête, tu vas casser mon. Tu vas vraiment casser mon essai contre là. Je peux te screenshoter, mais tu veux ou quoi? Attends, pour voir le parking, ah. Ok, attends. Ah, ah, va te garer plus loin. Bouge pas. Ah, t'es un or, toi, c'est le Condor de Esteban Elicitio. C'est ça. Ou le Condor, tout court, hein. Je suis entre vous. Trois, là. Touche pas le DBX. Le pote de base, le chien. Juste sous toi là. Tu ah poses bon un train d'atterrissage dessus. C'est ça. 80 d'intégrité, on est pas bien là. Vas-y, mauvais. Je vous fais pas le con. Ouais, il est joli, ça a dû te coûter vachement cher. Si je mets un fight assist off, y'a moyen de rigoler. Oh putain, fais pas ça. Tu te rappelles quand on l'avait fait la dernière fois, un truc qui a rebondi dans tous les sens là. Si je me sur vos trois vaisseaux. Et je pense que tu ferais mieux d'essayer de te poser plus loin parce que tu vas en route à faire avant de. Et sinon on va y aller parce qu'à un moment donné il va faire nuit d'ailleurs. Je fumais. Du coup on va. Attends, Farnash est sur la route, faut qu'il que frampe tout le groupe. Ah ok. Tu pourras pas poser là, il y a une arête de poisson. Il y a une structure organique. Ah putain, j'ai trouvé un petit truc. Qu'est-ce que c'est que cette structure organique du coup? Ah, on lui tire dessus, on a le droit. C'est peut-être l'habitude du vaisseau. Ah, moi j'ai le droit, vous, j'en sais rien. C'est qui tire sur le ouest là? Ah bon, oui. Un peu tout le. Bon. Attendez, bougez pas les gars, je marche. Ça va chier. Il y en a un qui va perdre un SRV, ça va être moins de deux là. Bouge pas, ouest. On peut tirer sur la structure organique. Mais arrête, j'en ai qu'un moi, de la servir. Ah, fais pas le con. C'est pas moi qui ai tiré dessus. C'est qui là, le tuyau là? C'est Manu. Moi j'ai tiré sur non, personne. C'est pas Manu. J'essaie de te ça sauter dessus. Ah, il y en a un autre qui veut jouer là. C'est quoi que t'as tiré? Ah, attention, moi je rigole pas moi. J'ai 2%. J'ai 1%. Le mec qui va faire un run. Vite, répare ton truc parce que si t'as plus de SP, tu pourras pas prendre le truc. Et là, c'est niqué, mon pote. C'est niqué après. Répare ton SP. Forêt. Bon, voilà, pas la mienne. Bah non, vote, messieurs, si je dois repartir à Soitara, tous une demi-heure. C'est quoi qui nous a tiré dessus? Parce que j'ai perdu que de la coque mais pas du bouclier. Partons SRV, c'est West avec des railgun. C'est quoi la différence entre une réparation basique et une réparation? Elles sont plus. T'es plus résistant sur les autres réparations. Logiquement, c'est écrit dessus. Ouais, t'es un peu plus résistant. Putain, je crois que j'arrive un peu trop vite. Ah, c'est bon, Serge, on commence pas à faire le mec comme ça. Réparation en synthèse plus. Bon, moi le temps. Non, je vais aller chercher des cailloux, hein. Un cahier, je vais chercher du fer. Ah. J'ai le gobelet dans le coin. Ah, excellent, on voit la. Oh putain, on voit la. Comment ça s'appelle? On voit la nous depuis. Ah. J'ai trouvé une place. Faut les gâcher. Avec ton gros cul, t'es pas sorti du sable. Ah, j'en ai trouvé. C'est au millimètre, mais. C'est qui la SP là qui est en train de. Je me fais un petit foot. Il est beau ton vaisseau, mais il est pas pratique. Hein. Mais si il est pratique, faisait juste ça. Oh, j'ai foutu un charognard dans le sol. Ça y est. Ah, les gars, mais j'ai mis un charognard dans le sol. Tu vois pas une. Allez, regarde, je roule dessus. Tiens. Mon VRS il a failli exploser. Ça fait un sou, et puis ça va, et puis je l'enfonce dans le sol. Attends, ouais, il y a beaucoup de gravité quoi. Ouais. Genre, mets un petit coup de roue là. Ça va, zéro en bas à droite. Non, moi je l'ai pas en bas à droite moi.
Comme ça en dessous. Non. Ça y est, j'ai enterré un charognard. C'est la gravité. Bah, E, c'est gravité terrestre, 0,28, c'est. Ouais, 0,28, c'est faible. C'est. Bah, oui. Salut, Erad. Oui, j'ai fait un jump, j'ai atterri, j'ai. Sans le coq, non ? C'est parce que t'as. Ouais, j'ai. T'as atterri. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, t'as atterri comme une brouette. Ouais, je sais pas, non, ça me paraissait propre. Ah, les. Comme ça, sans le bouclier. Ah, mais elle a réussi à se poser quand même. Prends les dégâts. Ah, oui, il faut juste choper une petite. Appareil de liaison mon scan tente et targoïde scan. Je sais pas, c'est bon, on est tous là. On est tous là ou pas? Il manque Farnash. Non. Tiens. Allez, y'a Farnash encore. Ah, oh le troll. Je vais pour déployer le truc qui marche pas, mais c'est vrai, je l'ai désactivé. Ah oh, putain. J'ai tué le SRV. Ah bah ouais, ça m'a fait une nouvelle. J'ai désactivé le hangar planétaire. Nouvelle oui, donnée. Parce que je suis allé crack en une énergie alors. Ah, ça m'étonne pas. Il est mal designé ton. Tu parles, il est optimisé jusqu'au bout des ondes. Bah, si c'est optimisé ouais, jusqu'au bout des ondes. Tu dois être lourd alors. Bah, pas alors, pour un drone. Enfin, pas pour un SRV. À la base, c'est pour l'anti-targo. Le cutter, c'est quoi? C'est du plaqué or, c'est ça? C'est trop cher, c'est. C'est du plaqué or, tu vois pas, il allait voir un bandit roumain pour se le faire recouvrir. Ouais, parce qu'un or, tu dois être bien lourd là. Et tout mou. Et tout. Oh, oh on critique pas ma peinture. Qui c'est qui a critiqué là? Je remonte dedans, il a. Elle dit fait. Alors moi je peux critiquer, elle est nulle ta peinture. Bien avec toi, c'est mal. T'es où toi? T'as ce watt là? T'en bouges pas, j'arrive. Ça a coûté combien? Je suis dans ça la faille 50 euros. Non, ça va pas. Aïe aïe aïe. Bon tour. Et encore, t'avais le code promo avec la spirette. Et encore, c'est très léger la couche de peinture en or. T'as une feuille, t'as même pas 24 carats sur tout le vaisseau. C'est des feuilles d'or en fait. Ouais, ouais, voilà, oui. C'est cheap un peu. Oh, mais lui, il me cherche vraiment, lui. Laisse ma peinture tranquille. Tiens, en plus, j'ai un bel escalier tout neuf là, je viens de le faire réparer. Scannez tout les gars, le charognard, tout ça, ça vous fait des, ça vous fait du codex. Hein. Qui c'est qui est rose? Ouais, mais là tu les scannes pour nous et du coup on a les infos. J'ai ouais. Jamais vu du rose. Ouais. Là, qui... Je vois rose. Vous êtes dans. Bah non, il y a personne sudain. Non, non mais dans le. Vous êtes rentré dans la structure? Non, 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 pas encore. On attend Farnash. On se rejoint tous. C'est vrai. Tu vas me dernier, je crois. Ce vaisseau, c'est juste une œuvre d'art. C'est vrai. Quoi, ton cutter moche là? C'est pas ça que ça mon cutter moche? Oh là là, chef, il a chié sur le cutter. Sur ton cutter? Mais il est en. Forcément qu'il est nommé avec force. Avec Zerta, t'es. Qui c'est qui. Pourquoi t'es violé? On t'a tiré. Quelqu'un t'a tiré dessus de l'escadrille? Je sais pas. C'est sergent ça. Serge, je le vois violet. Mais le plus classe, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a un qui est rose, quoi. Rose. 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 Putain. Hein. Oh oui, non, moi je fais le tour, hein, je sais pas. Ouais, je vois ça, c'est pour ça. C'est où les charognards? Bon. De toute façon, il y en a à l'intérieur de la base. Je suis à. Là, il y en a, là où je suis, là où je suis, il y en a. T'es groupé avec quelqu'un, Farnash, c'est bon? On doit les attaquer? Ouais, ils te drop des trucs. Surtout, n'oubliez pas de mettre la clé gardienne. Non, non, on a pas pris. Non, attendez, là, il y a deux charognards, je les attaque ou pas? Tu peux, si tu veux, ils vont s'énerver sur toi. Moi, je les vois pas, les charognards. Je sais pas, j'ai peine que je les attaque. Non, c'est hein. Facile là-dessus. Ouais, il est coincé dans le sol, celui que je veux voir. Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai enfoncé. Bon, je l'ai vu. Après, y en a, après les gars, il y en a plein dans la base des charognards. Le truc, c'est que dans la base, évitez de les attaquer parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, on pourra vrai. Faire un. Attends, Héroïne avant de lui tirer dessus. Après, ça y est, c'est fait. Il va te cracher dessus. Il va te cracher. Bah, je lui tire dessus ou pas? J'ai tué son copain. Il en reste plus qu'un. Non, ouais, ça va, ils tombent comme du petit. Ils sont pas solides. Et t'as c'est vu, ils drop plein de trucs, là, des fragments de capteurs. Ouais, ça nous paie. Non, mais c'est pas.
Ok, ça fait pas d'acidité à la coque. Non. Ok. Ah, t'explose et puis. Eh, me ramasse pas mes trucs. Oh, le voleur, le pirate quoi. J'ai rien ramassé moi. Bah non, j'ai. J'ai cru que tu faisais le pirate. Je vais scanner des liaisons montantes que j'avais pas scannées et je vais essayer de scanner. Il y a des charognards. Ah non, c'est ouest. J'aimerais bien qu'on ait. Qu'on pouvoir le scanner avant que tu le casses ou qu'il te tue, ce serait. T'as confondu que ça ouest bouge, avec quoi. Ah, mais ils sont en train de faire mumus là, ils font un foot. Voilà. Ça y est. Non, c'est qui le leader? Parce que on fait quoi là? On y va ou... On attend Farnache. Ah mais c'est matière biologique targoïde. Yeah, balle de match. Putain les gars, vous l'avez tué avant que je puisse le scanner. J'ai éclaté sur mon toit là, il y a encore plein de traces. Oh, excusez-moi chef. Je l'ai dit aussi à un moment donné que vous oubliez le scanner. C'est vrai, bah, je sais pas, moi je joue au foot comme la dernière fois quoi. J'ai oublié, il y a plus de même. En plus, les gars, si vous avez pas vu la vidéo de Manu, franchement elle était énorme. Ça me dit juste avant, il fait bon les gars, faites pas le con avec les charognards, tu vois moi derrière qui tape dedans. Tu veux, il faut trop bien, il fait un foot. Ah, c'était à la forêt de Barnac. La forêt de Barnac. Ah ouais. C'était marrant. On fait glinguer les trucs. Les Arthacs a aucun respect. Pourquoi? Comment que c'est. J'ai rien dit. Ouais, aucun respect. Ouais, t'as raison, c'est Xarta qui a dit ça. Putain, faudra s'organiser des courses desservies ici. C'est les 24 heures. Moyen. Les 24 heures des Targoïdes. Tu sais, tu tournes autour et. Te tirer dessus. Aïe. Avec l'été du stream est pas génial. Bah écoute, je suis en 1080, j'y peux rien, Olivier. Je sais pas pourquoi ça. Oh, y'a le charognard, il est coincé dans le sol. Le... Logiquement, attends, je vais éteindre un truc, mais. Ça, c'est. Un bel des choses. C'est quoi, c'est ça pixelise ou c'est les FPS qui ont du mal à suivre, Olivier? Écoute, j'ai éteint la télé, ça devrait fonctionner. Tu penses que c'est la télé, Manu? C'est Alt F4. Ouais. Hein. Des fois, la télé, tu vu qu'elle ça prend de la bande passante. Ah, mais c'est la télé par internet? Ouais. Et c'est le but! J'ai coupé la box. Des fois, ça va aller mieux. Ah les gars, vous avez vu mon cutter, il est beau. Oh là, il a pas fini avec sa conne. Alors... Unkno surface structure scan, voilà. Oups, c'est par là. Mais là, ça va mieux, Olivier, ou pas? C'est bon, on t'a vu. Mais en 1080p, parce que moi c'est en 1080p et je la regarde sur mon téléphone là en même temps. Je regarde sur mon téléphone, c'est propre. Hein. Châssis, répare. Orbital flight, engage. Là vous avez largement le temps avant que la phase de nuit hein, la planète. Oui. Ouais, sans que c'est calqué sur les ordres. Ah parce qu'il faut que ça y fasse nuit. Non. Non. Non non non, c'est juste que c'est moins visible s'il fait. Non c'est pas grave. Petite vision thermique, enfin nocturne. Ouais, ouais bon, c'est dommage. La structure là vous avez... Qui vendent du. Attends, c'est clair, on dirait qu'il y a des détails. On dirait qu'il y a des détails de rajouter sur la structure. Mais ça, c'est le tour surtout, moi qui. Ah ouais, non, mais ouais, là je suis en train de regarder une des grosses. Je suis en train de déplacer la caméra hors de mon SRV pour observer le bazar. Regarde là, tous les petits pics
qui ressortent. Ah, ça, avant c'était... C'est vraiment flippant, cet endroit. Nous, la dernière fois qu'on était venu, je crois que c'était sur les grandes structures où t'as des trous dedans, t'avais des charognards qui balançaient de l'acide. Et avant, les structures, au tout début, la première fois qu'on était venu, les structures étaient pleines. Rien, ouais. Maintenant, tu peux limite te promener dedans. Ah bon? Ouais. Ça peut être sympa, ça aussi. Bon, c'est pas que, mais on va devoir faire le plein bientôt, là. Putain, le mec revient du ski, quoi. Il casse les billes. Y'a pas de neige, là. Y'a pas de neige. Hey, les gars, près des trucs. Je dirais. Faire un petit foot, y'a moyen. Y'a un nice. Y'a Farnage qui arrive, ça y est. Bon, assistance bah, disruption, ça veut dire quoi? Ça éteint la direction assistée, c'est ça? Possible. Bah, y'a des. Des disruptions qui se posent. Ouais. Ça va, tout le monde est là? Ouais, allez, go. Ouais, tout le monde est là. Allez, hop, on va récupérer le bordel, les... ouais, non? Direct. Allez, go. On se retrouve devant, y a un qui tient sur les boucliers, devant nos là. Vaisseaux là. Profitez pour rentrer histoire de réparer le SRV. Et là, s'il y a un humain qui arrive et qui défonce nos vaisseaux, on est mal, non? C'est ça? Ah bah, c'est ça. Un gankeur qui débarque. Moi, ouais. Perso, moi le mien, ça va, il a un bon bouclier. Moi, il y en a pas. Mis à part si une corvette ou un cutter de PVP, je pense que Sergent il est safe pour un petit moment. Ok, après, c'est bon, nous... j'ai la sonde moi. J'attends, je vous attends devant la porte. Je vais la garder ouverte pour putain, ceux qui j'ai mis un alliage dans le maison, je savais pas. J'avais un métalliage dans le vaisseau, t'as. C'est pas mieux, Olive? Le stream là? Je sais pas ce qu'il foutait là, mais. Voilà, alors... là, il dit un truc. Et donc là, Sésame. Ah non, on n'est pas devant la bonne porte. Elle est où le chef? Elle est de l'autre côté. Ah, celle-là s'ouvre pas. Ouais, t'es de l'autre côté. Non, non, mais attends, celle-là s'ouvre pas. C'est bizarre. Ah si, ça s'ouvre là. Ouvert, ça là. S'ouvre. C'est ouvert là. Mais vous êtes où là? Je suis dans le... Il y a plusieurs portes. Il y en a trois. Ah non, oui, ça y est, ça vient de s'ouvrir. Okay. Oh là, il y en a un qui décolle. Ah, mais attendez, attendez, cette porte-là, elle est pas bonne. Coucou. Ok, non, non, mais bougez pas, les gars. Qu'est-ce que tu as? Reculez, la porte-là, il y a... Vous avez vu que c'est effondré, là? Ouais, c'est effondré. Ah, la balle, elle est bien... On va retrouver Xarta à l'autre porte. C'est un bordel, ouais, les gars. Il faut vraiment se faire une course de SRV ici, les gars, parce que à 8 ans SRV, je sens que ce... Ça va être une rigolade. Bah, je crois que je vous scule. Hein. Et j'imagine trop là la course de SRV, les gars. Et on autorise les tirs. Ah bah oui. On tourne jusqu'au dernier survivant. Bon, Manu. Oui. T'es là? Ah ouais. C'est quoi qu'elle dit là, Je sais pas, les gars. Attends. Ah merde. Oh. Autotamponneuse. Ok, voilà. Ça c'est bon ça. Putain, non, il est... Ouais, c'est moi. West Coast. Allez, rentrez les gars. S'il y en a qui peuvent pas rentrer, vous nous dites, on viendra vous ouvrir. Bon, du coup, faut faire quoi avec le capteur? Avec le capteur, toi, pour l'instant, rien. Moi, faut que j'aille juste... Faut aller juste dans une salle pour récupérer... Il y a la salle centrale là, voilà, c'est oh, ça. Oh, les tuyaux, ils font de la lumière. Et il faut aller dans une effet salle annexe. C'est ouais. Moi qui ai la sonde, donc je vais aller dans une salle annexe, je vais récupérer le lien, moi. Pénétrer le site sur le passage. Tu es en train de finir. Bon, du coup, moi... Entrons dans la salle sans. Alors j'ai des liaisons targoïdes là, c'est bon, elles descendent. Ok, je récupère un lien. J'ai la soude pleine moi. Vous êtes tous dans la structure là? Vous êtes tous dans la structure les gars ou pas? Il y en a qui sont encore à l'extérieur. Allo allo. Il se fait aspirer par la
Vous êtes dans la structure ou il y a des gens à l'extérieur encore? Il y a un charognard en l'instant. Ok. Vous m'entendez les gars? Eh non, personne m'entend. Oula. Allô Roger? Allô? Eh non, personne m'entend, c'est génial. Target, uplink, bazar, truc. Machin, chouette, j'arrive pas. Règle. Non, non, mais je sais pas pourquoi, ça avait planté. J'en sais rien. Allez hop. Est-ce qu'il y a des gens encore à l'extérieur de la structure? Non. Vous êtes tous dans la salle centrale là? Apparemment, oui. Ah, c'est bon. Ok. Ok, ok. Bah, Franck, on va s'y mettre hein, déjà. Alors attends, ça c'est quoi là ici? Qu'est-ce que... Il y a une atmosphère très lourde et pesante. C'est quoi que je dois mettre là? T'es cherché le uplink? Oui oui c'est bon. C'est où t'es Manu? T'es là? J'arrive pas à voir l'hologramme. Non par contre ça bug hein. J'arrive pas à voir l'hologramme. Donc je sais pas lequel c'est, ça doit pas être à moi. Ah. Vous aussi vous avez des Allô bugs au niveau de... Ah, j'ai une couleur de liaison les gars. Oh purée de trucs, mes deux. Les gars, vous m'entendez? Oui. Je relance le jeu, deux secondes. Je relance le jeu, parce que okay, ça va pas du tout. Putain, il y a plein de hauts de plafond, quoi. Ça merde. Moi j'ai mon ordinateur de bug qui bug. Non mais ça c'est normal ça. Moi je vois les trucs verts mais effectivement je vois aucun logo, aucun signe. Il y a des phénomènes. Je peux plus. J'entends plus mes collègues, je perds la communication. En fait tu les vois quand tu te mets au-dessus du bousin. Ah d'accord. Non oui moi je les vois. Il y a une sorte de créature qui est en train de baver sur ma baie. Le sensor. Waouh. Le sensor est juste là. Où je suis. Lève les bras, moi, pour juste voir. À ma gauche. Ah, oui. Sans me bourrer dedans, s'il vous plaît. Échantillon 2. On roule sur une matière visqueuse et gluante. Targoïde. Ok. Alors, les gars, ça m'a refoutu à 15 bandes du site. J'arrive. Ah, merde. Oh, ouais, non, mais c'est normal. Je vois pas vraiment ce que tu veux dire, Xarta. Là, je suis sur une lumière verte, mais je vois pas vraiment de logo. Si. Il est où? Là devant ton nez là. En phospholuminescence. Bah dis-moi moi je le dis. Là où je suis c'est le. Là où Farnash est c'est du le. Du coup comme il y a quelqu'un sur tous les trucs, pratiquement on les voit tous apparaître. Ah oui d'accord mais attends. Je vais prendre la cargaison toxique rapide, j'ai tout qui est en train de partir. Ah ok d'accord, ça apparaît mais en blanc. Oui. Oui. Ok j'ai cru que c'était en vert au niveau de la zone où on était dessus, d'accord. Non. Faut juste savoir regarder quoi. Bon par contre là le mien j'ai l'impression qu'il allume rien du tout. Clignoter moins SRV donc vous êtes gentil mais Moi aussi mon pote mais ça merdait tellement que j'ai du déco reco. Et vu que j'ai déco reco je suis juste à 3 km là si tu veux. Et moi j'en ai deux, j'en ai pas un, j'en ai deux dans ma soute. Donc je te raconte pas que moi aussi ça grignote sévère. Plus que sévère. J'ai le générateur à 50% si tu veux de mon SRV là. Si je tire sur le pling device ça fait quoi? Tu tires, faut pas tirer sur... Appelle ton comment ça s'appelle? Appelle ton vaisseau et Non c'est bon j'arrive. Alors j'essaie de rejoindre. Non ça fait quoi si je tire sur le device? Je sais pas. Ça frustre la base? Je suis pas sûr. Si ça la frustre vous allez tous mourir. Là j'en vois que deux moi logo hein. Vous en voyez deux aussi, pas trois hein. En fait y'a trois. Mais c'est normal. Moi j'en ai vu trois, pourquoi? Eh oh arrêtez de me... Putain. Et en fait Franck dépose déjà le tien hein. Ouais, attends moi en fait, c'est putain. Le long avec la tête. Toi c'est le... Qui vient me coincer là bordel? C'est pas moi. C'est vrai j'avais oublié que je pouvais le déposer direct. Oui tu peux le déposer hein. C'est bon je suis là. Héroïne. C'est héroïne. C'est moi. Je suis avec Astrix moi.
Par contre, ouais, faut que je trouve le bon trou. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas chez oh. Castris. Ouais, mais t'es en train de copuler avec Exarta. Il y en a quoi? On fout la paix. Là, t'es en train de copuler avec With the guy in the space. Non, mais. Voilà. Avec alors, qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à voir lequel c'est celui-là. Le Blink est tombé dans le sol. J'arrive pas à voir lequel c'est de... Ah Manu, on te voit, je te vois à côté là. Alors, toi oui, ta France c'est celui-là, toi c'est le comment bon. Comment ça fonctionne? C'est bon, je suis sur le bon là. Kenobi, ouais, je pense là. Que t'es sur le bon toi. Attends, ça ressemble à quoi ça? Oui, ça ressemble au capteur Targoïde. Moi, oui, ça ressemble à Astéris, si tu veux pas que je te désintègre. Moi, ça doit être la sonde, là. Donc attends, je vais larguer la sonde. Donc là, toi, Manu, c'est où tu vois ton logo? Il est en face de toi? Ouais, ouais. Oula. De toute façon, on va voir si la machine le prend, hein. Oui, la machine l'a pris. Sergent, il a du mal à... D'accord, ça ok. Ça va, Sergent? Ah, c'est bon, la machine l'a pris, je crois. Ouais, ok, je vais mettre le dernier. Si elle le prend pas, c'est pas grave, tu le perds pas, c'est ouais. Ça. Tu le récupères et voilà. Bon, le probe est placé. Ouais, c'est bon. Là, il y en a un. Là, il y a le capteur par terre, hein. Targoïde. Qu'est-ce qu'il fout par terre? Je sais pas, il y a un capteur de Targoïde là. Ah, ouf. Ouais, il y en a un qui roule là. Il est où? Bon, ça va, il est à 99%. Bah, il est là, attends, je décolle. Voilà, je suis en l'air. Il est vers là. Par contre, arrêtez de bloquer, s'il vous plaît. C'est bon. Ah, c'est moi, j'ai les deux qui sont passés là. Il faut pas le récupérer, ah oui, ce capteur. Enfin, si. Tu le prends, Framp, c'est bon. Tu le remets en place. Il est pas rentré. Ouais, remets-le en place. Bah, c'est commandant Walk the Space qu'il a, c'est ça? Ouais, c'est Framp. Ça. Franck, ok. Franck. Je sais pas, c'est. Framp, avec un P. Framp. Bah ouais, enfin, c'est commandant Wok. Oui, on sait pas pourquoi. Mais... Un Wok. Les gars, non, contrôle Alt G. Largué et abandonné, hein, Framp. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Contrôle Alt G, les gars. Si non, raté. Il est ressorti le truc. Oh, oh. Attends, merde, je vais essayer. Là. Je vais essayer. Ah non, d'accord, vas-y. Je peux essayer de le ramasser ou pas? Vas-y. J'aime pas ça, tu vois, sergent. De quoi? Ah, pour enlever le HUD? Enlever le HUD, je savais pas qu'on pouvait. Et je suis censé le mettre là alors? Ouais. Ah. Ok. Je vais larguer avant, peut-être. Ah ouais? Si ça marche, ça va te le prendre. Ouais, je regarde, ouais. Attends, hop. Et y en a encore une qui est par terre, la cape a été mise. Non, ça c'était une connerie. Ah, d'accord. Ah oui, il arrête pas de ressortir, non, le il truc. Il en veut pas. Non, il en veut pas. Qu'est-ce que c'est ce délire? Attends, j'essaie de le prendre. Vas-y. Pourtant, j'ai essayé de bien me foutre sur le côté, mais tu sais, il veut pas. Voilà, en vrai, ça s'est rentré. C'est vrai, il a pris. Il est rentré. C'est bizarre. C'est parce que c'est le chef, ça. Faut être bien dessus ou je sais pas, ouais, c'est bizarre. Mais ouais, mais je m'étais mis comme Manu. Ouais, bah vous les gars. C'est bon, vous êtes là. De silence, regardez le spectacle. Je scanne. Contrôle Alt G, les gars. Et après, vous regardez. Contrôle Alt G, c'est quoi ça? Oh. C'est marrant, ça donne toujours la chair de poule. Ah, c'est vrai, hein. C'est beau, putain. Ah, mais c'est moi ou la galaxie elle a grandi par rapport à avant? Oui, il y a 403 milliards de systèmes. Je sais pas. Bah, disons qu'il y avait. Avant, il savait qu'elle était plus petite dans la salle. C'est pas trop, toujours pas trop ce que ça représente. Attends, j'ai un screenshot qui est assez vieux pour comparer de cette galaxie. Parce qu'il me semble qu'elle était plus petite avant. Ah, super, on voit tout. Ok, contrôle Alt F12, contrôle Alt F12. Et si vous reprenez le blink et quand vous le foutrez dans l'espace, il va vous indiquer d'autres bastardoïdes. Oui. Ah, il y a un Targoid Technology Sample. Et là, il faut faire quoi? Faut ramasser les trucs? Non, il n'y a rien à faire. C'est juste là, on vient de l'activer. T'as juste un tu mates. Un truc, tu peux l'activer qu'une seule fois. Là, même si tu la replaces, ça se rallume pas. Ah ouais, on comprend.
appareil de liaison montagne tout argoïde. T'as vu, c'est bizarre, ça se déplace à gauche. De quoi? Bah regarde, ça se déplace sur la gauche de la salle. Ah oui. C'est vrai que ça dure un petit moment, hein. Ouais. Ça, ça le faisait des passes avant. Voilà, c'est déjà sur le portfolio. Ah, pareil, Targo, oui. Il y a des charognards là dans l'affaire ou pas? Ouais, il y en a là-bas. Et ouais, c'est vrai, il s'est déplacé sur le côté le mâché. Ouais, ça y est, c'est la fin. Et là, logiquement, si on ressort, il va peut-être avoir une maman qui vient scanner la base, qui balance un EMP. Ça peut arriver. Ouais. On va voir. Ouais. Son crapaud. Là, en fait, il y a pas grand-chose. Enfin, il y a ça à voir. C'est joli, mais c'est tout. Il y a pas plus. On sait pas encore trop quoi faire. On sait pas trop là, quoi ça. À trop quoi ça sert. Et c'est le truc avec Frontier. C'est que ça charge les données dans le Blink. Ouais, je l'ai eu. Ouais, Codex. Ouais. Je ressors. Dans le lore, en fait, le Blink, ça le charge de données. Il t'indique, il pointe vers des zones comme des autres bases targoïdes. Et alors, ce qui est affiché ici, d'après les premières analyses, c'est, ça leur a indiqué, leur a donné des gros indices sur la capacité des targoïdes à naviguer dans l'espace, à cataloguer leur territoire, quoi. Ils sont territoriales. Par contre, ils savent pas trop comment ils considèrent, comment les targoïdes considèrent leur territoire. Hein. Ça, ils savent pas. Je suis quoi? Il y avait un début de découverte, mais les Targoïdes ont commencé à attaquer les bases d'Aegis. Ok. Et là, bien sûr, si on tire sur la structure, enfin, ça fait rien, quoi. Enfin, ça... Non, ça fait rien. Bon. Si tu veux vraiment la structure, tu vas chez les gardiens, tu vas récupérer une relique gardienne, puis tu la fous dans la machine. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ça va pas aller. Ça les énerve. Bah les charognards déjà se mettent tous à t'attaquer, ceux qui ont la structure. Puis la machine même t'envoie des grosses ondes de... Elle fait surchauffer ton SRV en fait. Bah charognard on peut en buter 2-3 quand même. Oui charognard. C'est autorisé. Mais il me donne des trucs que j'ai pas beaucoup je crois. Ah si non aussi. J'ai scanné pas mal de trucs pour faire des entrées de codex du coup. Au vaisseau parce que j'ai récupéré une souris. Ah, il y a quand même des composantes technologiques. Je crois que j'en ai besoin de ça. Ouais. J'en ai plus que 3. Ouais, allez. Je crois que pour le 3e chasseur, il m'en faut. Donc, casse-toi! Putain! 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 Du sud aussi, toi, non? Ah, mais du coup, mon vaisseau s'est barré, sa mère. Et puis les sondes de... Les sondes, on peut les péter aussi, ça fait pas des denrées, ça. Oh, comment on sort? Quitter installation, super, il faut que je me barre à 3 km pour appeler mon vaisseau. Je suis tellement content. Ouais. Oh Manu, tu nous fais sortir du bordel. De quoi? Oh Manu, tu nous fais sortir du bordel. Bah c'est là où on est rentré. Sortez, bah j'ai... Et ouais, mais y'a pas, la porte est fermée. Si si elle est ouverte. Si tu peux l'ouvrir. S'ouvre quand tu sors. Ah elle s'ouvre, d'accord. Putain je dois faire 3 bornes quoi. Ah ouais, et si on fait des Kuroko on a la même merde que toi c'est ça? Oui, votre vaisseau va se barrer et puis c'est censé être un endroit dangereux. Ouais. Et je peux pas essayer, tu peux pas essayer de monter sur mon vaisseau par exemple et je te dépose. Ah, ça peut être une idée, il y a des risques. Ça peut marcher. Ouais, ça peut te buter, ouais, carrément. Parce que là, je me suis foutu devant l'entrée de la où on est allé. Tu montes sur la corniche et tu sautes sur le vaisseau. C'est bon, je suis déjà en route parce que j'ai de la cargaison toxique, j'ai récupéré. Il y a quand même un petit marché noir à Arxway, je pense. Attends, bouge pas, j'arrive. Mais à mon avis, c'est de base Targoïde. Oui. C'est un ancien vaisseau mère qui s'est écrasé. On se pose la question, moi, ça. Bah, y'en a beaucoup, y'en a quand même beaucoup. Pour moi, c'est un vaisseau mère qui s'est écrasé suite au mycoïde virus qui a été. Pas vrai, ça. Mais vous êtes tous sortis par le mauvais côté. Ah, moi, je me bute du charognard, y'a plein de trucs à récupérer. C'est juste, je pète un.
avec ma visière. Oh, attends, recule pas trop. J'ai Toby, je sais pas ce qu'il me fait. Je vais exploser ce device. Je vais exploser ce truc. Je sais pas où vous êtes tous là. Bah, j'ai tué. T'as bien éjecté un serveur. Ah, t'es au-dessus de moi, comment ça? Enfin, j'étais. Je te vois pas. Moi-même, je te vois pas. Je vous vois pas, les gars. Ça sert à rien. Je vois mieux. Ah, bah, je suis à New York là. Je vois personne. Je vois personne. Ah ouais? Moi, je suis en toi. Tu me verras pas. Mon SRV. Putain, il est mort. 850. T'as catapulté la personne au-dessus de toi là? Réparation. Ouh putain, j'étais à 0%. Je vois personne. Mais c'est normal, moi je suis dedans en tout cas. Hein. C'est normal que tu me vois pas. C'est qui vient de me passer au-dessus là? Oula, il est plus gros. Charognard, ouais, non, ça va. Je nettoie un peu la zone. Hein. Ah voilà, des fragments de capteurs, j'en veux. Non. C'est pas des fragments de capteurs que je veux. Oh, t'es bête. Frappe le vaisseau, ça y est. Et vous, on va où maintenant du coup, c'est bon? C'est fini. C'est bon, c'est fini, on peut faire ce qu'on veut. La récréation est terminée. C'était la petite sortie rigolote, hein, c'est vite fait ça. Bah c'est vite fait parce qu'on a récupéré ce qu'il fallait pour l'ouvrir. oui, voilà, oui. Bah merci en tout cas, c'était très joli. Bah de rien. J'ai mis screen sur prendre solide. Bien joué. Ouais. Ah, Sergent. Je veux bien des composants technologiques. On va prendre ça. Regarde les machines. Ça sert pour les tech brokers, tous ces trucs-là. Oui, je sais. Ouais. Mais il m'en manque pas beaucoup pour le troisième vaisseau, quoi. Par contre, on aurait pu faire une petite photo. Le troisième chasseur. J'ai jamais testé le chasseur avec là. C'est vrai qu'on aurait pu faire une photo. Donc là, il m'en manque encore. Bon, on peut survoler la base et se mettre en formation au-dessus de la base, si vous voulez. Moi je me demande à quoi ils servent les uplinks. Putain, attendez deux secondes. C'est les trucs sur les murs. Ouais, il me faut du charognard. Je vais en avoir d'autres. Je vois une personne en rouge. Ouais, peut-être qu'il t'a tiré dessus. Ah, un charognard. Aïe, un peu des horribles des fois. Bon, le charognard n'est pas une espèce très dangereuse quand même. Hein. Ah non, clairement pas. Héros, moi je te vois encore à l'intérieur. Ouais, c'est normal, je suis encore à l'intérieur. Je forme des composants technologiques pour faire mon troisième chasseur. Regardez, fixe, ABC2, faisceau attaqué. Gardien. Pour faire le chasseur gardien, il y a du bon farming ici, donc voilà, j'en profite. Alors, document EDFX. Screenshot. Il est dangereux. Ouais, fragment de capteur, non, ça j'en fous. Voilà, ça c'est bon. C'est ça qu'on veut. Bon, bah on trace la route alors, c'est parti. Attends, c'est un screen. Attends, on va faire une photo. Une petite photo. Vous m'attendez, j'arrive alors. J'arrive, je sors. De la résine targoïde, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Ah, mais je suis arrivé dans une autre pièce, on l'avait pas fait celle-là. Ah, il me ressort des trucs comme tout à l'heure là. Tu devrais rentrer tes trains, tu seras plus maniable. Quoi, on se colle des années, on fait une photo, c'est ça? Oh putain, moi par contre j'ai pas de bouclier. Moi c'est directement à la coque. Eh ben ça c'est pas de chance. Il y a quelque chose que vous avez. Alors c'est pas possible de se perdre à l'intérieur, mais bon. Vous avez entendu, il y a la base qui a gueulé. Oula! Ouais, parce que moi je tire un peu tout à l'intérieur. Ça a crié comme si ça y a une explosion. Ouais, ça fait un. Non, c'est parce que j'ai explosé un capteur. Ça a gueulé en fait. J'ai entendu. Ça a gueulé quand j'ai pété un capteur Targoïde dans une salle où il y en avait trois. Je pense que c'est ça, mais. Oula, sergent Litchi, normal. Putain, mais il est trop fort ce gars là.
Ouais, le feu d'artifice, il a touché Xarta. Il a plus la moitié, il a la moitié de sa coque. Non, non, je mettais, non, non. Je mettais votre aide tout à l'heure. Non, c'est un canon anti-essar, donc ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Mais moi, personnellement, j'insiste. J'insiste pour dire que la base Arvid, c'est un vaisseau mère qui s'est éclaté suite au mycoïde virus. Attends, mais ils sont en boucle là, les Targos. Hein. Parce que il y a beaucoup d'œufs à l'intérieur de la salle. Bon, il y a beaucoup d'œufs à l'intérieur de la salle et il y a que les reines qui peuvent. Ouais. Merci. Là putain, je viens de voir un cutter apparaître devant moi là. En plaqué or. Si c'est un cutter plaqué or, c'est la moitié de sergent. Hein. Hello sergent, tiens, je te vois dans ton cockpit. Le vaisseau qui est devant moi là. S'il reste encore 2 minutes de plus, il se prend un canon gosse. Oh bah vas-y, tu me one shot hein. Ah oui c'est vrai, t'as pas de boucler toi. Ah, vous avez pris la photo de groupe ou pas? Non, on t'attend. Ouah, je suis à 50%. Bah alors attends, oh, non, attends pas encore, bougez pas. Manu, faut qu'il arrive, il va revenir. Ah. Ouais, parce que moi je farm un peu là, j'ai bientôt fini je crois. J'ai mon jeu, il a carrément planté quoi. Mais c'est sérieux ça? Tiens, je suis juste en dessous de cerveau. Vous êtes toujours sur le site les gars? Ouais ouais. Pour ouais. Faire la photo, bah je sais pas, je relance le jeu, je comprends pas, il a planté. Ah, c'est la totale ce soir hein. Ouais. J'ai essayé de bouger l'aile de sergent, ça a pas aidé. Tac. Alors c'est voilà. Pas là la sortie. Xarta il était juste au-dessus de moi là. Mais juste en dessous. Genre. Mais c'est plus dur de sortir que de rentrer, hein. Non, je plaisante. Qu'est-ce que tu fais, là, sergent? Tu as qu'une cellule énergie. Ah, d'accord. Porte fermée. C'est beau. Grave. Quand les portes sont fermées, pour les ouvrir, je prends un truc, ou sinon je trouverai toujours une porte ouverte quelque part? Ah, j'ai... Parce que là, c'est fermé pour moi, hein. Personne a un petit drone de réparation. Désolé pour ceux qui regardent le stream. Pourquoi tu veux que je te répare? Ah, ça serait cool, ouais. Oh putain, attendez. Je vais la... Ce soir, je vais la tuer. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il a pas un vrai sabre laser. En ce moment, c'est comme ça qu'on a la DAS qui arrive. Hein. Tu te fais balancer par tes potes de Discord. De merde. C'est ça.